56 ans aujourd'hui pour participer à une marche à Conakry. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette marche? Quels sont vos sentiments? Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que déjà après 56 ans, l'Afrique reste l'Afrique. Après 56 ans, l'Afrique peut se refaire. Après 56 ans, l'Afrique est convaincue qu'une Afrique gagnante, c'est une Afrique de solidarité. Une Afrique gagnante, c'est une Afrique d'union. Une Afrique gagnante, c'est une Afrique de paix et de solidarité. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine se dit que pour nous, notre premier droit est de ne pas être exclu de toutes les décisions concernant l'Afrique. Et parce que nous pensons que pour que l'Afrique puisse gagner, il faut que les jeunes se donnent la main. Il faut que nous acceptions de continuer le combat qui a été entamé par les camarades d'Amélie Koutouré et Kwame Nkrumah. Pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, l'Afrique a compris. Nous allons continuer le combat jusqu'à ce que l'Afrique soit unie. Imaginez un peu. Regardons la Ligue des Champions, par exemple. Vous voyez Salah. Vous voyez Sadio Mané. Vous voyez Nabil Keita. Si l'Afrique était unie, ils allaient porter le drapeau de l'Afrique. L'Afrique serait aujourd'hui à la finale de la Coupe du Monde. Il faut l'union. À travers cette marche, vous prenez les États-Unis d'Afrique? À travers cette marche, nous prenons les États-Unis d'Afrique aux côtés des États-Unis d'Afrique, aux côtés de l'Europe, aux côtés de toutes ces autres entités. Mais pour que l'Afrique soit ce qu'elle est, il faut que nous acceptions d'être africains. C'est la base du panafricanisme. Africain, c'est-à-dire, nous ne pouvons être que ce que nous sommes. Nous ne pouvons devenir que ce que nous sommes. Et pour que nous puissions être fiers de ce que nous sommes, valorisons ce que nous sommes, valorisons l'Afrique, ce qui est très important. Merci, monsieur. Je vous remercie. Voilà, salut. Salut, camarade. Oui. Vous portez le drapeau de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est l'an 56 de la création de l'UE, a devenu Union africaine depuis 2002. Eh bien, quels sont vos sentiments? Bon, ce sont des sentiments de satisfaction, des sentiments d'espoir surtout, puis l'ampleur qu'a autour vraiment de cette jeunesse aujourd'hui. Voilà, l'espoir que cette nouvelle génération africaine peut porter beaucoup vraiment de résultats positifs à la loi de cette Afrique. Puisque la déception était là vis-à-vis de nos prédécesseurs, mais avec cet engouement qu'on voit dans la dynamique jeune panafricaine, on peut espérer que l'Afrique doit être sauvée à nouveau. Merci, monsieur. Merci, camarade. Bonjour, madame. Bonjour. Et bien, vous participez également à cette marche. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que nous pouvons retenir de cette marche, c'est l'unité. L'unité et l'unité à quoi? Nous voulons que les États-Unis d'Afrique soient maintenant restés. Nous voulons que ces États-Unis d'Afrique se réalisent maintenant. Car l'Afrique reste l'Afrique, c'est vrai. Pour l'arrière-frontière, vous voulez une intégration économique, une monnaie unique, un drapeau unique. Ouais, c'est ça. Un drapeau unique qui est ce drapeau qui est là, qu'on trône parmi tant d'autres drapeaux. Et nous voulons prouver à toute la nation africaine que l'Afrique doit se donner la même pour devenir les États-Unis d'Afrique. L'Afrique, une seule nation, une seule équipe de football. Merci. Merci bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et vous participez à une marche pour l'Union africaine. Oui. Que voulez-vous promouvoir par là? Bon. L'Union africaine, à la création, c'était pour unir tous les Africains. Mais aujourd'hui, il y a une division totale. Les frontières, rien n'est respecté. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, il faut un visa. Nous sommes dessus aujourd'hui de l'Union africaine. Alors là, on doit tout faire pour se retourner à la case du départ, pour mettre tout en œuvre afin qu'on puisse évoluer sur la même longueur d'onde. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Et vous bien également, vous prenez part à cette marche. Vous tenez le drapeau de quel pays? C'est le Burkina Faso. Et voilà, pourquoi vous participez à cette marche? C'est une fierté de l'Afrique. C'est le jour de l'Afrique à côté d'une loi qui dit que les pays membres de l'Afrique. C'est une fierté pour nous de voir l'Afrique unie. On a obligé le combat de l'Union africaine. Sauf aujourd'hui, un seul État, et un seul membre de l'Union africaine. L'Afrique est là, félicitons nos ancêtres. Rwanda, il faut un visa. Nous demandons maintenant au moins qu'on mène le visa entre les pays africains.
Afrique, une seule nation, un seul drapeau, une seule équipe de football. Oui, équipe de football. Une seule Afrique, une seule poumon, un seul poumon, qu'on soit unis à jamais. Parce que nous sommes le continent de l'avenir. Nous sommes l'Afrique des États-Unis, l'Afrique des Européennes, l'Afrique de demain. Il faut qu'on soit unis à jamais pour construire notre union africaine. Merci, notre continent de l'avenir. Merci. Okay, merci. Africaines et Africains, Guinéennes et Guinéens, veillants peuples de Guinée et d'Afrique, distingués invités et organisations sœurs panafricaines, mesdames et messieurs, salut. Je voudrais avant tout propos vous inviter à tenir une minute de silence en hommage de la mémoire de tous les champions de la lutte pour la liberté et le développement durable des peuples africains. Je vous en remercie. Jeunes de Guinée, nous avons l'obligation de porter le combat pour l'unité des peuples d'Afrique. Car nous pouvons le dire sans embâche que nous sommes les pionniers à travers l'immortel responsable suprême de la révolution guinéenne, camarade Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Camarade, salut! Il disait que l'indépendance de la Guinée est indispensable à celle des peuples opprimés. Pour preuve, cela s'est même traduit par l'inscription dans notre constitution pour la volonté à renoncer à notre souveraineté au profit des États-Unis d'Afrique. Un rêve de bon enfant, penseront certains. Mais je dis ici haut qu'ailleurs que ce rêve n'a jamais aussi été proche de la réalité qu'aujourd'hui. Cela se voit en nous, les jeunes ici présents, symboles de l'unité dans la diversité. Chers camarades, la meilleure manière de célébrer la liberté des peuples d'Afrique, c'est d'accélérer notre migration des organisations sous-régionales vers les États-Unis d'Afrique. Ceci, sans aucun doute, nécessite un engagement religieux de nos gouvernants qui doivent traduire par les actes la construction d'une Afrique unie. Seul, on peut réussir des choses. Mais ensemble, nous pouvons faire grandes choses. Chaque État, chaque individu doit apporter sa pierre pour la construction d'une Afrique unie et prospère. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée du 25 mai, nous, jeunes de Guinée et d'ailleurs, avons initié ce carnaval dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'Union de l'unité africaine. Afin de réaffirmer notre volonté à assumer et valoriser notre désir ardent de voir naître un jour les États-Unis d'Afrique.
ce avec toutes les composantes des nations africaines. Mesdames et messieurs, valeureux camarades, le collectif des mouvements panafricains de Guinée partage et soutient la réalisation de l'agenda 2063 de l'unité africaine, qui vise la transformation de l'Afrique en une puissance mondiale et d'avenir, à travers un cadre stratégique de développement inclusif et durable, qui découle d'une volonté panafricaine d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la renaissance africaine. Nous restons et demeurons des jeunes citoyens actifs et optimistes à la concrétisation de ce grand rêve, qui tient tant à la très grande majorité du peuple africain, car celle-ci a compris que unis nous sommes forts, désunis nous serons la proie facile à la portée des autres continents plus puissants. D'où l'impérieuse nécessité de s'unir ou périr, car l'unité africaine est une question d'existence des peuples de l'Afrique. Sur ce, nous lançons un appel pensant à tous les décideurs politiques et économiques, à tous les acteurs de la société civile, à la diaspora, aux élites et intellectuels panafricains, à tous les composantes de la vie sociale et active, et principalement à la jeunesse de notre beau continent, l'Afrique. À travers ce combat, de faire de ce combat le sien, afin de léguer aux générations futures une Afrique unie et prospère, qui comptera parmi les puissances du monde. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette marche pour l'unité de l'Afrique. Merci à tous. Vive l'unité africaine, vive la paix en Afrique, vive la cohésion en Afrique, vive la solidarité en Afrique, vive les États-Unis d'Afrique. Camarades, salut. Paul Musoma, I work for the African Union, currently heading in an interim capacity the Africa Minerals Development Center, which is an institution that has been awarded to Guinea to host its secretariat, and we are here to negotiate the hosting agreement. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Paul. Je suis un Paul. Donc, il est en Guinée dans le cadre du transfert du Centre africain de développement minier, qui est une organisation de l'Union africaine qui doit être abritée en Guinée sous peu, donc à partir de octobre. Et donc il est là dans le cadre de travail pour pouvoir finaliser l'accord, pour pouvoir finaliser la mise en place de ce centre. Today is a great day. Not only for Africa, but for Guinea as well, because the transfer of the AMDC to Guinea symbolizes African Union's commitment to ensure that Guinea is among the leading countries hosting one of the leading institutions of the African Union. Aujourd'hui est un grand jour pour la Guinée, mais aussi pour l'Union africaine. Et à l'occasion du transfert du Centre africain de développement minier, ce transfert symbolise le lien qui est entre l'Union africaine et la Guinée. La Guinée qui a eu un leadership dans la mise en place de l'Union africaine. Today presents an opportunity for all Africans to reconnect in support of our governments in achieving all the problems that Africa is experiencing now. I'm saying today presents an opportunity for all Africans to reconnect and support our governments in achieving or addressing the problems that the continent is facing now. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour les pays de l'Union africaine de se reconnecter ensemble et de faire part à leur gouvernement des différents problèmes dont l'Afrique fait face. The Africa Union Day was, you know, established in 1963. And before I finish, I want to leave you with a quote from one of the founders of the African Union, Kwame Nkrumah.
Donc l'Union africaine a été mise en place en 1963. Et avant de vous laisser, je voudrais vous faire une citation de Kwame Nkrumah, qui a été un des leaders de la mise en place de l'Union africaine et président du Ghana. Kwame Nkrumah said, I'm not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. Donc, Kwame Nkrumah a dit, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Thank you so much. Merci beaucoup. 18 et 25 ans, les femmes se sont levées pour dire non au jour colonial. Et cette bataille leur a permis d'accéder à l'indépendance nationale, à la souveraineté de leur pays respectif. Quelques années après, des initiateurs que vous connaissiez, Feu Lossa Diéfo, Kwame Nkrumah, le président Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Gamal Abdel Nasser, Julius Nyerere, l'Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié et tant d'autres se sont levés, le roi Sa Majesté Mohamed V, se sont levés pour créer l'Union africaine. Et vous saviez qu'avant cette création, il y a eu d'abord deux groupes, le groupe de Casablanca en 1961 et le deuxième groupe qui était le groupe de l'OCAM. Ce qui est sûr, c'est que tous ont mis en avant ce que nous avions en commun, c'est-à-dire l'Afrique. Et c'est ainsi qu'en 1963, le 25 mai, l'Union africaine, l'OUA à l'époque, a vu le jour à Addis Abeba. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, tous les jeunes de Guinée devaient être présents ici à vos côtés. Car les jeunes de Guinée de l'époque ont fait la fierté de l'Afrique tout entière. Ces jeunes et ces femmes ont permis à l'Africain qui avait l'échine courbée de se redresser et se dire que nous étions des hommes et que nous étions des hommes à part entière. Et la Guinée a une place prépondérante dans cette action et dans cette belle action. Votre collaborateur vient de nous dire ce que l'engagement qu'avait pris la Guinée. La Guinée ne serait indépendante que quand toute l'Afrique aura recouvré son indépendance nationale. Tant de sacrifices, tant d'engagements méritent une grande fierté des jeunes Guinéens. Nous, nous vous félicitons et nous pensons que vous devez continuer à vous battre pour expliquer aux autres jeunes que l'argent n'est pas roi, qu'il ne suffit pas d'être riche. Ce n'est pas des maisons qu'on construit, des villas qu'on construit, des voitures, des belles voitures dans lesquelles nous roulons qui est les plus importantes. Mais ce que nous laissons aux générations futures, c'est ce qui reste. Et c'est cela le plus important. L'argent facile est devenu roi dans notre pays. Vous devez tous vous battre et vous dresser contre cela pour dire que la chose la plus noble, c'est le travail. C'est le travail qui est méritant et c'est le travail qui rend l'homme fier et digne. Et pour cela, nous serons et nous restons à votre côté. Vous aviez vu que le président Alpha Condé, pendant son passage à la tête de l'Union africaine, s'est battu pour essayer de faire une continuation de ce que la Guinée a été. Les choses ne sont pas faciles, les mentalités ont changé, mais nous, nous faisons, nous croyons en vous. Et c'est pour cela que, tout dernièrement, nous avons été très fiers d'apprendre qu'une agence
de développement minière de l'Union africaine devrait être installée en Guinée. Ceci est une fierté pour toute la Guinée, mais il faut le dire que la Guinée le mérite. La Guinée a beaucoup fait pour l'Afrique. La Guinée s'est sacrifiée pour l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique tout entière. Vous saviez que nous nous sommes impliqués dans les luttes de libération de Guinée-Bissau, d'Angola, du Mozambique. C'est en Guinée que les ponts aériens se faisaient, nuitamment. Les avions cubains transitaient, prenaient le carburant ici en Guinée, à l'aéroport de Kessia, pour aller en Angola, pour aller au Mozambique. Mieux, nous avons perdu des soldats sur ces terres. Donc la Guinée est un pays de dignité, d'honneur. Nous devons en être fiers et vous devez en être fiers. Nous espérons que la prochaine fois, vous ferez une sensibilisation et vous ferez des communications fortes pour que tous les jeunes de Guinée sachent qu'ils sont concernés par cela et qu'ils doivent répondre présents à des événements comme ça. Parce que c'est des événements d'honneur et de dignité africaine. Encore une fois, je vous remercie et je vous encourage. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? C'est Bailo Barry. Monsieur Barry, vous venez de participer à une marche pour l'Union africaine ici à Conakry. Et dites-nous les raisons de votre participation à cette marche. Bon, c'est un renouvellement juste parce qu'on a l'habitude de voir nos membres de ce collectif qui a organisé cet événement. Nous avons décidé d'organiser et de participer à cet événement, c'est pour pouvoir un peu magnifier l'Afrique et de rappeler également les consciences juvéniles et même citoyennes qu'à un certain moment, quand on observe l'Afrique, on voit en fait, le décalage entre ce qu'on a en termes de richesse et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et ce que nous sommes en train de vivre comme bien-être. On se dit vraiment il y a lieu de se poser des questions et à décider de prendre également son destin en main pour faire face à tous ces obstacles-là pour accorder mieux-être à la population. Parce que vous savez, le plus souvent, l'Afrique, on reste toujours dans la victimisation pour dire que voilà, nous voulons réussir, mais les autres nous ont empêchés. Mais qu'on a passé 60 ans de colonisation, mais après ça, après notre indépendance, on a passé aussi 60 ans d'indépendance, dont c'était les fils du continent qui étaient à la tête de ce continent-là dans les différents pays, mais toujours ça n'a pas changé. Donc on se pose la question, c'est quoi le véritable problème? Le véritable problème, c'est tout simplement parce qu'on tend la main aux autres, on pense que c'est aux autres de développer l'Afrique, et alors que le jour que nous allons décider, et c'est ce que on a envie d'éveiller dans les consciences, il faut qu'on se réveille, qu'on prenne notre destin en main, qu'on fasse face à nos réalités. Et aujourd'hui, nous voulons une Afrique sans frontières, nous voulons une Afrique sans guerre, nous voulons une Afrique sans visa, nous voulons une Afrique sans famine. Et pour y arriver, il faudrait qu'individuellement et collectivement, qu'on se réveille, qu'on travaille, parce que c'est seul le travail qui pourra nous sortir de cette situation. Tant qu'on croisera les bras ou qu'on continue à tendre la main, l'Afrique ne va jamais sortir de cette situation. Donc il est temps, au lieu de rester dans cette victimisation, il est temps que nous nous mettions au travail. Et dans ce travail-là, il y a un socle qu'il faut mettre. Ce socle-là doit commencer par l'éducation. Il faut qu'il y ait une éducation de qualité et le renforcement de capacité de ceux qui sont déjà en cours d'éducation et de formation. C'est extrêmement important. Mais nous voyons aujourd'hui que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Hein? L'éducation africaine ou la santé, l'environnement, les infrastructures, tout vient de l'autre côté. Tandis que les matières premières viennent de chez nous. C'est quoi ce paradoxe? Donc, nous devons nous enorgueillir et sortir réellement de cette mendicité-là et nous mettre au travail. Et les critiques, c'est bon. Les discours, c'est bon. On a trop parlé. Il est temps d'agir. C'est ce qui fait qu'on parle de panafricanisme. Je suis panafricaniste. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a combien de personnes ici? On parle plus qu'on agisse. Il est temps qu'on se mette au travail. Seul le travail pourra en sortir de cette situation. Et de l'autre côté, j'ai envie de rappeler réellement à nos dirigeants qu'il ne s'agit pas de siéger à tous les forums, colloques ou organiser ceci, cela. Il est temps qu'ils investissent dans l'éducation des populations africaines, dans l'encadrement, dans la sécurité, dans
la liberté dans la circulation des personnes et de leurs biens. Je crois que c'est en cela. Et qu'ils acceptent également de greffer la nouvelle génération auprès d'eux pour leur apprendre comment diriger, comment gouverner et les apprendre le patriotisme, le nationalisme. Parce que si on ne prépare pas la relève, l'Afrique est vouée encore à l'échec. On va aller de profondeur en profondeur. Et pour qu'on puisse trouver solution à cela, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique d'agir et un engagement citoyen et civique au niveau des populations et surtout les organisations de la société civile. Il faut qu'on sorte réellement de ces guerres d'ego et d'intérêt individuel, qu'on se mette au travail. Seul le travail pourra nous sortir de cette situation. Je finirai par dire que j'appelle les populations africaines, aux États africains, pour prendre leur destin en main pour le mieux-être des populations africaines, parce que nous avons les ressources qu'il faut, que ce soit en termes d'hommes, en termes de jeunes et en termes de richesses. Merci, monsieur Barry. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Mouloukou Souleymane Touré, vice-coordinateur du secrétaire d'État. Eh bien, dites-vous pourquoi cette marche d'aujourd'hui à Conakry? C'est en réalité pour célébrer l'Afrique. Et célébrer l'Afrique, c'est une manière de dire que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Aujourd'hui, la jeunesse s'est réunie. Aujourd'hui, les peuples africains se sont réunis en terre de Guinée pour dire que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Pour en réalité faire une prise de conscience pour que nous puissions continuer le combat qui a été entamé par les pères fondateurs de la France. Eh bien, au cours de cette marche, on a suivi l'itinéraire pour 8 novembre, Riviera, et puis nous avons fait une immersion dans le quartier Tombo pour revenir au palais du peuple. Tout ça pourquoi? Tout ça, c'est une manière de dire que le chemin que nous traçons pour aboutir aux États-Unis d'Afrique peut être un chemin très complexe et très dur des fois. C'est la raison pour laquelle que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas un mouvement rectiligne, uniforme. Ça veut dire que nous aurons beaucoup de choses à traverser. C'est la raison pour laquelle, commençant par le port Winnipeg, rentrant dans les quartiers, et sortir enfin, aboutir à la véritable unité nationale, demande beaucoup de sacrifices. Parce que c'est visible. Des jeunes en gens qui n'ont pas mangé du tout, qui sont sous le soleil pour célébrer l'Afrique. Je pense que c'est un combat qui est dur. Donc la trajectoire que nous avons entamée sera très difficile, mais je pense que nous allons gagner. Le pouvoir au peuple, l'unité au peuple, le slogan qui ont été dit donc au cours de cette marche, pourquoi cela? L'aspiration du combat ou la finalité du combat, c'est pour que le peuple ait son mot. Et pour que le peuple ait son mot, il faut que le peuple soit écouté. Si on clame haut et fort, pouvoir au peuple, c'est que d'une manière, le peuple n'a pas tout ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle pouvoir au peuple, et pour l'Afrique, nous sommes prêts et nous sommes prêts. 56 ans aujourd'hui depuis la création de l'Organisation de l'Unité Africaine devenue UA en 2002, eh bien, les problèmes persistent en Afrique, le problème surtout d'unité. On sait que le Maghreb ne se considère toujours pas tous les jours comme étant du continent africain. On a vu un peu ce qui s'est passé en Libye, et surtout avec l'immigration clandestine, la vente de nos frères noirs aussi, vente aux enchères. Comment vous comprenez tout ça? Et puis sur le continent également, toujours on continue à voyager avec des visas dans certains pays. C'est triste, c'est un constat amer que l'on se considère africain ou qu'on ne se considère pas africain. Si on est africain, on reste africain. Ça, c'est à jamais. Qu'on se considère libre ou qu'on se considère enchaîné quand on n'a pas de chaîne, ça ne veut surtout pas dire qu'on n'est pas colonisé. Il faut que l'Afrique essaie de prendre sa responsabilité. Il faut que les Africains essaient d'assumer. Le panafricanisme, ce n'est pas de dire je ne veux pas les autres continents. Le panafricanisme, ce n'est pas de dire je ne veux pas voir les autres continents. Le panafricanisme, c'est accepter d'être africain et résoudre les problèmes de l'Afrique en tant qu'Africain. Revendiquer son identité africaine. Revendiquer son identité et arracher son identité. Parce qu'il le faut. Quand tu quittes ici aujourd'hui, tu vas quelque part, que tu l'acceptes ou pas, que tu le dises ou pas, on va t'appeler africain avant de te dire guinéen ou burkinabé ou consort. Que tu l'acceptes ou pas, on te dira africain. Que tu l'acceptes ou pas, on te dira que tu viens de l'Afrique. Que tu dises, que tu clames, oui ou non, on te dira toujours que tu viens d'Afrique, que tes origines sont africaines. Alors, si tu veux avoir plus d'importance, sois ce que tu es, accepte ce que tu es, valorise ce que tu es, sinon on ne pourra pas gagner. Merci, monsieur. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je suis Keta Mohamed. Je suis chargé en relations institutionnelles et tout ce qui est politique de jeunes mais leaders du mouvement nationaliste guinéen qui est un peu partout en Afrique. Eh bien, M.
Monsieur Keïta, jeune leader a pris part donc à cette marche qui a été organisée aujourd'hui à Conakry à l'occasion de l'an 56 de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine. Dites-nous pourquoi vous avez pris part à cette marche. Déjà, c'est une fierté pour les jeunes mes leaders de participer à cette fête anniversaire de l'Unité Africaine. Parce que qui déjà dit jeune leader parle de révolutionniste, parle de panafricanisme, parle d'une révolution, parle d'un changement constitutionnel, de mental, de révolution métamorphosique. Il faut que la jeunesse s'implique. Il faut qu'on montre que l'unité africaine, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait l'organisation des États-Unis d'Afrique pour le développement et pour le rayonnement de l'Afrique. Donc, il était impératif, il était primordial pour une organisation comme la nôtre, jeune mais leader, de participer à un mouvement donc panafricaniste. Merci, monsieur Keïta. Je vous remercie.